craint le grand méchant loup, grand loup noir? Qui craint le grand méchant loup? Bonjour à toutes et à tous, ou bonsoir, et c'est Snake5130, et je suis content, je suis content, je suis content, je suis content. Je vais enfin vous montrer, un jeu que je voulais jouer depuis longtemps, depuis très longtemps, mais il était sorti sur PC. Au début, il était sur PC en anglais, et ensuite, il a été en version française, mais toujours sur PC, et moi, je joue pas sur PC maintenant, en plus, j'ai pas un PC super puissant, donc je pourrais pas trop y jouer, vous voyez. Et ça me titillait d'y jouer, ça me titillait, je me dis il faut que je fasse une série dessus, j'ai envie de jouer à ce jeu. Mais je pouvais jamais, c'était juste sur PC et il est sorti enfin sur PS4. Oui, sur PS4 il est sorti et je me suis dit il faut que je me l'achète. Mais le problème c'est que il est sorti le 4 novembre ou le 7 novembre, je sais plus du tout, je sais plus trop. Et le problème c'est que j'étais en train de faire les enquêtes d'Assassin's Creed Unity. Et je peux pas faire deux jeux en même temps, c'est assez chaud déjà avec le boulot et tout ça. Et en plus ce serait un petit peu le bordel pour faire les montages et tout ça. Déjà que c'est le gros bordel là, j'ai des fils partout, je vous dis pas, j'ai des fils de mon casque qui sont en train de s'entremêler, vous vous calmez maintenant. Et alors, The Wolf Among Us, oui The Wolf Among Us, c'est un jeu créé par les développeurs de... The Walking Dead, le jeu vidéo élu jeu de vidéo de l'année 2013, il me semble, par les Video Game Awards. Et The Walking Dead, un jeu que Moustique a super bien aimé, a particulièrement aimé. Je crois qu'il a au moins fini 5000 fois. Alors je pense que peut-être cette série va plaire à Moustique, quoique, on sait pas, hein, peut-être pas. Hein. Ça dépend, l'univers va peut-être pas trop plaire à tout le monde. C'est un univers qui se passe en fait. Je vais pas trop vous spoiler, de toute façon je connais pas trop l'histoire. Hein. Oui, je sais, je bavarde depuis le début, mais c'est pas grave. Et c'est un univers qui se passe en fait les personnages de contes de fées dans la vraie vie. Alors j'appuie sur croix. Et pour vous. Je voulais vous dire un petit quelque chose juste avant. Ah, peut-être que ça va se lancer maintenant. Y a pas de mise à jour, pas d'option, rien. Non. Ouais, bon. Alors je vais parler pendant le temps que ça charge. J'espère que ça n'a pas frisé. Non, c'est bon, ça me fait peur. Ah non, c'est bon. Oh, j'adore. Alors pour info, je vais visiter la communauté de Wolf Among Us sur TelltaleGames.com. Oui, c'est Telltale Games. Voilà, Telltale Games, ceux qui ont fait The Walking Dead et ceux qui ont fait The Wolf Among Us et ceux qui sont en train de faire. Oui, je crois qu'il est sorti à ce moment-là. The Borderlands, l'histoire. C'est eux aussi qui l'ont fait. Alors, je voulais vous dire juste avant de commencer cette mission. Je vais aller dans paramètres pendant ce temps pour voir ce qu'il faut faire. Commande, voilà. Alors, au début, je voulais pas jouer à ce jeu parce que c'est un jeu qui se regarde finalement. Alors, je me suis dit, bah, je vais regarder plutôt un youtubeur parce que ce jeu me plaisait à regarder, tout ça. Je vais dire, je vais regarder un youtubeur et tout que je connaissais bien. Alors, je me rappelle de son nom. Oh le trou. Parce qu'il faut quand même que je dise que j'ai vu une de ses vidéos quand même. Sous-titres activés. J'espère que c'est en français. Hein. De toute façon, normalement, il est en français. Tic-tic. Inverse, objectif, interactif, activé. Bon, ok, il n'y a rien à faire quoi. Bon, je vais laisser le jeu juste après. Ah, je parle aussi, mais je suis super content et je veux bien commencer les choses pour ce premier épisode. C'est pour ça, de toute façon, j'aurais mis en bas, je me connais bien, j'aurais mis en bas dans le montage. Si vous voulez passer le bavardage de Snake5130, allez à tel temps. Oui, je voulais vous dire, j'ai regardé au début un petit let's play d'un youtubeur, je ne sais plus son nom, c'est horrible. J'essaierai de me rappeler le nom, je le mettrai dans le montage. Au pire, je suis désolé si j'ai un gros trou de mémoire. Et en fait le problème c'est que l'histoire elle me plaisait trop et il y a plusieurs choix à faire en fait, vous avez des choix à faire. Et en fait je dis oh putain faut que je me l'achète parce qu'à un moment, il arrivait à un moment dans l'histoire que je dis il faut que je le fasse moi-même, il faut que je le découvre moi-même, il faut que je le fasse tout simplement. Alors je vais vous dire à quel moment je me suis arrêté, de toute façon c'était le début, je crois que c'était au moins 10 minutes du jeu quoi, 10 premières minutes du jeu. Alors les 10 premières minutes du jeu je les connais quoi. C'est pour vous dire, enfin je les connais. J'ai vu ce que c'était. Je vais vous dire à quel moment de toute façon.
J'ai à quel moment j'ai pas regardé, j'ai arrêté. Oh ouais, on peut faire directement les épisodes comme ça sans les avoir débloqués quoi. Ok bon, on va faire déjà l'épisode 1, ce serait bien. Épisode 1, espoir. Avec la jolie petite fleur en chargement de couleur rose bobo, c'est magnifique, un magenta magnifique. Cette série de jeux s'adapte aux choix que vous faites, l'histoire s'ajuste à votre façon de jouer. Ah ouais, c'est ça. Ouh, ça va me stresser les choix. Oh putain, déjà que Boosty qui stressait quand il faisait des choix de The Walking Dead, alors moi... Il était une fois à New York. Voilà, je sais pas si je vais beaucoup parler pendant cette série. Ouais, je vais sûrement pas beaucoup parler, hein. Ça va être beaucoup de lecture et tout ça, alors... Alors, c'est un épisode super, alors si je parle pas... Bon, là, c'est en anglais, alors je peux parler, le mec qui parle en anglais, à part ceux qui parlent en anglais, je vais peut-être me taire. Oh, c'est quand même magnifique, avouez-le quand même, c'est magnifique. Il est en téléchargement aussi sur PS3, mais moi je préfère la version boîte. J'aime pas trop le dématérialisé, pardon. Bon, je vous laisse dans l'ambiance. The Wolf Among Us. Oh putain, comment j'ai cité violent ça, hein. Ça a réveillé tout le monde. Oh, quel beau taxi. Oh, quel beau pantalon, quelle belle cravate. Oh, les commentaires qui servent à rien. C'est un personnage en plus que j'adore, parce que c'est un personnage sombre mais en même temps gentil. J'adore. Bâtiment locatif, peu après minuit. Ah bah, le taxi leur a dit se transformer en citrouille ici. Ah, minuit il va se transformer en citrouille. Ah, bon, je me tais. Mr. Toad. Oh, shit. Big B. Listen, mate, I know I don't look human. It's a problem, I get it. I just stepped out the apartment for just a second to see what kind of damage this drunk shit is doing. Just cut me a break, yeah? I'll get me glamour first thing in the morning. Cross my heart. Alors là, il faut faire un choix, je regarde un câble. No need to kick up a fuss. Je veux dire le silence, moi, je vais faire silence. Des fois, vaut mieux un petit silence. Come on, Bigby, say something. C'est pour ça, j'adore. Ça lui fait peur. If you can't afford to look human, you're going to the farm. It's as simple as that. You can't send me up to live with those animals. You know what I mean. Go see a witch. Get a glamour. Bigby, they're bleeding me dry, mate. The quality of the spell goes down, but the rates keep climbing up. Do you have any idea how much it costs to have an entire family in glamour? En même temps, je vais comprendre. Ce n'est pas mon problème. Ce n'est pas moi qui fais les règles. C'est pas moi qui fais les règles. I don't make the rules. Sorry. Ah, je suis désolé. I can't give you a free pass on this, Toad. My hands are tied. Right, right. There's too much at stake. Whatever it costs, it's worth it. You don't want me catching you out of glamour again. Fucking hell! See, this is what I called you about, Sheriff. J'espère que c'est pas une télé. You're just gonna stand there, do something, Bigby, before he completely tears up the place. Oh merde, j'ai pas eu le temps de faire mon choix. Moi, j'ai fait silence. Oh, thanks for that, Bigby. You're a real gentleman. Merde, ça a été trop vite aussi. J'ai pas eu le temps de. This is the last straw, Bigby. He has to go. Je monte. Fine, I'm heading up. Get your glamour. Nouveau paragraphe vivant. Furry prick gob shite. Tell me how to spend my money. Dad, the lights are shaking again. What did I say? You want a big bad wolf to take you away? No. Then get the fuck back inside. Ah, parce que Bigby c'est le grand méchant loup, pour vous savoir. C'est chaque personnage, c'est un tiré d'une histoire. Là c'était Monsieur Toad, Monsieur Crapaud. S'il y en a qui regardaient la série Disney. Je montrais une image au pire. You're gonna know who I fucking am, you hear me? Hey, look at
Ah d'accord. C'est quoi ça? C'est le téléphone? On va répondre au téléphone. C'est quoi? Comment on fait pour ramasser? Ah voilà, je cherchais le bouton pour appuyer, en fait il disait pas, en fait il fallait faire croix. Oui, parce que moi je suis quand même quelqu'un de gentil, on raccroche le téléphone, j'aime pas qu'on laisse le téléphone comme ça décroché. Donc de là, un peu de respect. Je ramasse aussi les humides parce qu'en plus j'en aurais besoin si je veux fumer. Ouais, tu vois, en plus ça pourrait être utile plus tard. On va frapper. Hein. Moi je suis gentil, moi, dans le fond. Mais Xim casse les couilles. J'aurais peut-être dû. God damn you! Oh, no way! Whoa, hey! You've got something on your face. Fuck are you talking about, you stupid girl? I'll fucking kill you! Qu'est-ce qui se passe ici? Fucker! All right, what's going on? What are you gonna fucking do, huh? Get the fuck out of the way before you get the axe again. Tu es complètement saoul, je lui ai dit. You're drunk, all right? Think this through. If you keep on like this, I won't have any choice but to put you down. Put me down? You got a shit fucking memory, Wolf. That's not how it went last time. This isn't last time. Alors lui, c'est le bûcheron. Putain, c'était dur. Il y a de l'action là, attendez, je me concentre un petit peu. Alors lui, c'est le bûcheron dans l'histoire du petit chapeau rouge, le grand méchant loup. Merde, je suis trompé de touche. Ah non, c'est bon, juste. R2 sur le lit. Voilà, calme-toi un petit peu. Oh, c'était mal, ça. Oh putain, oh, ça fait... Comment je défonce sa gueule. Oh bah, il m'a bien défoncé aussi la gueule, j'ai rien vu. Oh putain. Oh putain, ça doit faire. Un rasoir, super. Si tu veux me raser de près, c'est bon, moi j'aime bien ma barbe. Oh là là, oh là là, oh là. Ouf, de justesse. Oh, oh, ah ça c'était beau. Ah, ça, bon bah il reste plus que l'armoire. Je voulais pas la faire l'armoire. Putain, et en plus il... Il continue en plus. Ça, ça me calme pas après tout ça. Ah voilà sa hache, fétiche. Fétiche de la hache. Putain, si je me serais pris, ça aurait fait très mal. Appuie sur croix, dans le bidon. Merde, je crois que j'ai un petit peu raté, mais c'est pas. You should probably get out of here. Look, I'm not leaving until I get what's mine. You're not getting shit, bitch. I'll fucking put you on the ground. Hey. Et si t'es pas capable d'être calme, je vais te faire attendre dehors. Ce que j'ai dit. Oh fucking shit. Il s'est rien de parler. My God, you bastard. And still you talk. Fuck you. Shit. What the hell is going on? What happened? A little misunderstanding that turned into a real shit show. Don't worry, you saw the best bits. There's more where that came from, girly. Knock it off! Look, this is just the start of a shitty night for me. I just need the money he owes me, then I can go. Are you alright? I'm hunky-dory. Thanks for asking. Putain, quand même, tu t'es bien mangé. C'est quoi ton nom? Je vais demander son nom. Name? Je fais ça. Whatever you'd like it to be, handsome. Don't make this more difficult than it has to be. Sorry, Sheriff. Wouldn't want to add any difficulty to your night. Why was he hitting you? He asked me if I recognized him, knew who he was.
I said I didn't. He started beating on me. Then you showed up, started beating on him. That about cover it, hon? I'm the Woodsman, you whore. I saved Little Red Riding Hood from this monster. I cut this fucker open. Ça c'est dur à dire ce stones and threw him in the fucking river. That's who the fuck I am, you stupid bitch. Would you excuse me for a moment? By all means. Come on. Je voulais absolument le taper. Oh putain. Je me tape la voiture jaune. Mais pourquoi la voiture jaune? Elle était magnifique. Oh putain. J'ai passé en plus pour réparer la réparation. Enfin, je suppose. Oh, en plus, c'était ma voiture. Shit. Oh bon, alors lui. Ah bah bravo. Hey Toad. My car. Ah bah c'était sa bagnole. Oh, yeah. Désolé. En plus, t'avais une belle bagnole. Oh no, by all means. Take your time. Make yourself comfortable. Moi, ton assurance. So, how good is your insurance? I can't be mad at you. I called you, and you come to help. I can't be mad. But even when you help, things end up more fucked than they started. Well, at least you're not fucking dead. Putain, appuie. Oh putain, c'est dur. Sale chien. Oh putain, c'est dur. Ah mais... Je peux pas aller plus, hein, là, je peux pas faire plus. Oh, 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 oh. Ah, ça c'est dégueulasse. Les beaux yeux qu'elle a quand même. Ah, c'était chaud parce que là, le loup elle est sorti. Hein. Ça se voyait. Le loup elle est sorti. Je regarde à peu près combien de temps ça fait. Parce que je pense pas que ça va être 10 épisodes très long non plus. Oh, c'est dégueulasse. Merci. Thanks. Don't mention it. I'm just getting what he owes me. You all right back there? I mean, your eyes and the teeth. You're not really supposed to do that, are you? Heureusement qu'il ne veut pas sortir. Great. En plus, il est fauché, ce con. The guy's got an axe in his brain. He's not feeling that. It's more from me. He'll be fine. I'll kill you, you fucking bitch. Let me help you. Ah, mais c'est dégueulasse. Je vais l'arrêter quand même. He's had enough. He's a fable. Son of a bitch can take plenty. Ouais, parce qu'apparemment les mecs, les personnages de fable, ils ne peuvent pas mourir apparemment. C'est pour ça que le mec qui a une hache dans la tête, il vit encore. Oui, ça vous étonne, mais c'est vrai. Oh, oh, c'est dégueulasse. Attends, t'en vas pas. Reviens, j'ai des questions à te poser quand même, parce que c'est bizarre quand même ce qui s'est passé. Par hasard, ils ont un point commun, ils aiment la cigarette. Big B et lui, ils aiment la cigarette. Il allume sa cigarette. Parce que je suis un gentleman. Thanks. Who do you work for, really? These lips are sealed. Sorry. Hey, you like my ribbon? Magnifique, beautiful. Je suis un gentleman, je sais, mais je peux pas résister. Mick, est-ce que c'est un personnage de conte, elle? J'ai pas l'impression. I feel like we've met before. We probably have. We all sort of knew each other at one point or another. But things change, I guess. I guess.
Au début, je croyais que c'était Blanche-Neige. Shit. Stop. We don't have to make any more of a thing out of it than it already is. Il t'a frappé, moi je viens de dire, faut que je cherche. He needs to pay for that. On frappe pas une femme. He's got nothing to give, Sheriff, I checked. Besides, I just swung an axe into the guy's head. I'd say we're even. Ouais, pas faux. Maybe I should be arresting you. I'm not gonna be doing this for much longer. So, now's your chance. Pourquoi faut qu'il y ait une image de chat derrière elle? How much was it he owed you? 100. 100. Ah ben, dis donc. I'm guessing it'd be bad for you to show up empty-handed. I'll be fine. Je vais lui donner l'argent. Faut que j'arrête d'être trop gentil, mais je peux pas. 20, 40, 78, 58. It's all I got. It'll help, right? Take it. It's okay. I'll be fine. You've done enough, really. Mais prends cet argent. Take the money. Voilà, okay. Prends-le. You got me out of a bad situation back there. Thanks. I'm still gonna need a statement. I have to go drop off what I have. Meet me back at my office then. It's a little late for an office visit, Sheriff. I'll swing by your apartment. Ah, l'appartement carrément. How do you know where I am? You live in the smallest apartment in the Woodlands. Everyone knows that. Good to know. You should get cleaned up. You look like shit. And I don't use that term lightly. Some of these look pretty bad. Dis-moi ce que tu penses vraiment. Wow. Tell me what you really think. Hey. I need to tell you something. What is it? You're not as bad as everyone says you are. Oh, voilà. I'll see you around. Il m'intrigue. Wolf. Il m'intrigue. Ah, c'est super. Oulala. Oulala. Bon bah voilà, je crois que je vais m'arrêter là. De toute façon, ça va faire pas mal de temps. Là, ça va faire 20 minutes. Oh, même presque, ouais. Ça fait 25 minutes bientôt. Oh, comment ça coupe bien! Bon bah voilà! Ah bah comme ça j'ai gagné un trophée en plus. Delta Games. Oh oui bah on va pas finir comme ça. On va laisser quand même le petit générique avec la belle musique. Je vous laisse apprécier la musique. Épisode 1, Esperance. Je sais pas comment dire en anglais. Esperance. Bon, je crois que je sais pas si je peux faire pause à ce moment-là. J'ai un peu peur que ça coupe en fait, c'est pour ça. J'ose pas. Ah bah, c'est bon, là je vais pouvoir faire pause. Pause. Voilà. Bon, bah voilà, tout le monde. J'espère que ce premier épisode vous a plu. On se revoit pour un prochain épisode. Moi, franchement, ça me. Ouh, je sais pas si vous, mais moi j'ai envie de savoir la suite, j'ai envie de savoir ce qui va se passer parce que oh là 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 là, ça m'intrigue. En tout cas, on a eu une belle bagarre avec le bûcheron du petit chaperon rouge et Big B, le grand méchant loup. Je me suis bien fait défoncer la gueule, mais j'ai bien défoncé la gueule aussi au bûcheron. Allez, salut, portez-vous bien. A plus. Magazine.
て灰になって